Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du boulgour à ma façon. Donc, c'est la première fois que je le fais. J'ai goûté, j'ai aimé. Donc, vous devez le faire aussi et avec cette recette. Donc, c'est parti pour la préparation. J'ai 500 g de boulgour. Je l'imbibe avec 6 cuillères à café d'huile d'olive et l'huile de table. Voilà pour que ça colle pas en fait après à la cuisson. Donc ensuite, bien sûr, je mélange bien, il faut l'imbiber. Ensuite, je vais gratter une gousse d'ail dedans. Et puis, je vais verser l'oignon en bottes, le poivron vert et rouge. À savoir que l'oignon en bottes, il a un goût assez fort, donc si vous n'aimez pas, c'est pas la peine de le mettre, c'est pas facultatif, donc voilà. Donc voilà, je vais mélanger le tout, comme ça, voilà, comme ça tout se mélange. Ensuite, je vais mettre un petit bâton de cannelle et une petite feuille de laurier, un petit peu de piment fort, pour ceux qui aiment le piment fort. Et puis pour les épices, j'ai mis seulement une demi-cuillère à café d'épices tandoori et une demi-cuillère à café de sel, donc à saler comme on veut. Donc c'est parti pour la cuisson. D'abord je vais les faire revenir vite fait 5 minutes, voilà, pour que tout se mélange bien. Et ensuite je vais mettre l'eau. Alors la quantité, j'ai mesuré comme j'ai mis en plusieurs fois, donc moi j'ai mis la quantité exacte que j'ai utilisée pour cette recette, pour cette quantité-là. Donc j'ai utilisé 1 litre d'eau et 100 millilitres en plus, d'accord? Et à laisser cuire 13 minutes. Et une fois que c'est cuit, vous avez, les 13 minutes sont passées, il faut la sortir du feu. Voilà, je suis un petit peu en avant. J'ai mis ensuite un bouillon, j'ai mis un bouillon des semaines, hein, donc un bouillon, vous pouvez mettre un autre bouillon hein, que vous voulez. Donc c'est juste pour ajouter un petit peu du goût. Et puis on va laisser cuire 13 minutes. Et après vous éteignez et vous laissez absorber la sauce. Et après il n'y a plus qu'à servir. Donc je vous dis à très bientôt.